de 6h, on vient de se lever. Bon, en fait, il est 6h57. Moi, je vais vous dire un truc. On en a eu des idées de merde. Hein. Mais celle-là, mon gars. 6h, tu m'as... Non. Moi, je tolère pas. Alors, il faut quand même vous montrer que... Je fais y tomber. C'est là. Il fait déjà qu'il y a méga moche. Mais il faut savoir que la nuit, elle était pas top top parce que genre à 4h, il y a des gens qui baisaient sa mère. Non, moi, j'ai rien entendu. Elle, elle a dormi comme un... Comme un petit loir. Un petit loir. Un petit facochère. Moi, ça m'a réveillé en sursaut parce qu'on les a entendus dans tout l'hôtel alors qu'ils sont à la chambre du bout, tout là-bas. Et après, après, elle a eu plein de messages. Donc, voilà. J'espère que le voisin a été content. C'est quoi le programme Noémie aujourd'hui? Pourquoi on se lève de bonne heure comme ça et qu'on est dans un hôtel? Parce que notre cerveau dérangé a décidé une nouvelle fois d'aller voir Gringe. Donc on se lève à 6h du matin dans un hôtel... Moyen. Ouais, franchement, il y a pas d'autres mots. Pour aller faire dédicacer un livre. Qui est déjà dédicacé? Je sais pas ce qu'il fait pas dans nos vies. Sachant que là on a encore une heure, enfin 2 heures de route. Vas-y, c'est fun, hein. Trop fun, la vie, trop fun. Et dire que je suis là, genre, ma mère, elle est là, genre, ah oui, mais ce week-end va vous faire du bien, ça va vous reposer. Ah, je suis reposée, là. C'est une question pour toi. Est-ce que tu filmes en 4K? Non. C'est fort dommage. Encore oublié. Ça va, 6 heures, tu vas pas me demander des complications. Déjà, j'ai pensé à filmer. Ok, let's go. Vas-y. Partons de cet enfer du Covid. Faut la mettre dans le truc, la boîte. C'est le matin. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Nous sommes arrivés dans la petite bourgade de Fontenay-le-Comte. Voilà. Et c'est marrant parce que c'est vraiment un tout petit village. Mais c'est hyper beau. On a l'impression d'être à la maison. Ouais. On est passé devant la librairie. Et c'est trop marrant. Parce que c'est vraiment un tout petit truc. C'est un salon de thé librairie. Et ça a l'air super joli. Ah, et aujourd'hui, on est que deux. On a perdu la... La troisième. Troisième coco. Elle a préféré aller voir Christophe Maé en concert. Quoi. Chacun ses goûts. Choix bizarre. Devinez qui est en retard. Bravo. 12 minutes de retard. Ouais, c'est pour quoi? C'est pourquoi, on sait pas. C'est pourquoi, putain, je viens même à Fontenay. Mais ouais. Même à Fontenay, mais vous êtes. Écoute, on se faisait chier, on s'est dit, on va aller le voir. Ça mais quoi, mais ça longtemps. Sort d'où? C'est quoi? C'est des trucs déjà signés, non? Non, jamais. Mais vous êtes complètement taré. Non, regarde, il est pas signé. Vous allez finir au chou. Vraiment sur la paille, la foire. Ah, me voilà rassuré. Putain, c'est quoi? Parce que j'ai barré des trucs et tout. Ben oui. Genre là c'était pas 2, du coup maintenant c'était 3, après ça a été... Donc là c'est la 6ème, hein. C'est beaucoup plus que ça, donc on, même plus, on, a, non, on arrête de compter à un moment donné. Non, moi je suis à la 5. Elle est 5 et moi je suis 6. Ouais. Après de cette visio, je sais pas, j'ai dû avoir un truc de ouais, sur les bords du Bosphore. Ça, ça raconte quoi de vous en ce moment? Pas grand chose, non. À quel moment vous allez couper le cordon? Quel cordon? Avec WAM? Jamais. Il y en a pas. Putain, vous me suivez partout comme des enfants que j'ai abandonnés, que pas chez la l'affaire. Le mec il dit ça alors qu'à Bruxelles il lui a dit que c'était mon père. De quoi? Sur mon t-shirt t'as signé papa hein, quand même. C'est vrai, j'ai fait ça. Putain, je suis vraiment... Mais moi c'est ma faute aussi. Bah oui. Pourquoi je te signe? Je signe papa. Hein. Du coup moi ça y est, je te crois mot pour mot, tu vois. Il a signé B2O. J'ai signé B2O aussi. Et Emma t'as signé Macron. Mais non. Malgré tout, vous revenez. C'est fou ça. J'ai beau tout essayer, ça n'a rien à faire. Putain, on est les boxeurs, hein. Vous êtes des tics. Vite, ma mère. Vous voulez un café, les mains? Grave. Oui? Grave.
Bon, il y a des passes droits quand même. Vous allez partager la même tâche. Ouais, ça vous va? Covid et vous entre vous. Ouais, ça a peut-être une chance de plus vous voir après. C'est super. Covid et vous, autodestruction. Allez-y. Je suis Covid et vous. Comme il fait. Qui c'est qui a conduit? C'est toi? Bah ouais, comme d'hab. Comme d'hab, toi t'as toujours pas le permis? Bah non, et toi? Bah moi j'ai le permis de ouf. Ouais, moi je me fais conduire. Tu pourrais l'abandonner sur une aire de repos ou un truc. J'ai essayé, mais le problème c'est qu'elle court derrière. Mais même entre vous, je comprends. En fait, c'est dans l'ADN. Bon alors, où en étions-nous? Où en étions-nous? Tu es du café. Il est noir. Ouais, bah ouais, je le ramène de, moi-même de Colombie. Alors, Noémie, c'était je barre quoi? Non, mais en plus, c'est dégueulasse, putain, je vous ai tous salopés. Au pire, t'as d'autres pages blanches dedans. Bah ouais, mais c'était marrant de, tu vois. Ouais, c'est sûr. Un peu dégueulasse, ça force. Le problème, c'est que derrière, ça va. Des cœurs, mais des petits cœurs de quoi, là? Je sais pas, t'avais des marqueurs de couleur. Mais de fou, tiens. C'est bête. le pire de tous. Attends, ça m'énerve quand j'ai sorti le cœur là. Non, mais ça... On l'a payé quand même. Quoi? Il a fait une transpercée. Vas-y, ça m'a vénère, attends, vas-y. Je suis sûr que ça me vénère. Il va être obligé de nous envoyer son fameux carton. Revenez pas. Point. Ça va, ça te plaît? C'est magnifique. Merci Elon d'avoir zappé ton blaze. J'ai réussi à zapper ton blaze. Ouais, c'était à la première librairie à Paris. Ah, mais je devais avoir le cerveau en off. Folle, j'ai mis folle comme ça? C'est moi ça, c'est pas mon écriture. Si, c'est toi. Non. Ah non. Allez, la deuxième. Je vais en collectionner les bits de toi. Hein. Je vais les revendre. Ouais, j'ai déjà fait ça. Bah oui. Putain, mais je suis butin, en plus. Tu l'as fait à Rennes, à la première date d'Enfant Lune à Rennes. De mer. Je suis prévisible à ce point-là. Bah ouais. Mais c'est quoi ça? Bon, vas-y. Oh, ça m'a vénère aussi ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah mais on se lève à 6h pour ça, là, pour des bits sur. On se lève à 6h. Il est en train de saccager mon bouquin. Je vais être obligé de le brûler après. Ah, des barres, purée. Fou. Alors, on se lève à 6h pour des bites. Et ça fait 15 ans. Et 15 ans que vous me suivez partout, les filles. Je te gueule bien fort pour un peu. Tu veux pas crier là chez moi aussi? Allez, je te remets un grand cœur quand même. Ouais. Ah, c'est quand même des barres de rire. Hein. Tiens, bon. Tu vas me un cadeau. Barrez-vous, allez. Foutez le camp. Barrez-vous d'ici. Vous allez faire le marché là? Ça va faire. Bah, vous allez faire poser la rentrée directe. On s'est ruiné. Bah non, bah. Pour payer le péage? Pour venir. Pour des bits. Je vous ai foutu la chouma. Ouais, grave. Mais baladez-vous, achetez des bouquins, putain, investissez. Ah, mon bout, ça fait compte, tu le connais en plus, par cœur, ça va. Ben non, je l'ai lu qu'une fois. Moi, j'aime pas lire à la base. Tu vois, quel conseil de lecture hein? Ben, ces deux forces nues. Quand on n'aime pas lire, après, ça dépend. Hein. Non, mais j'ai fait une littéraire en plus. Vous regardez des films. Mais t'es une escroc. Bah oui. C'est vraiment mes rejetons non désirés. Hein. Bah oui, elle est dans cette place. Bah c'est pas grave, on ira voir Aurel. Mais ouais, c'est ça. Quand il va revenir, je sais que. Ça, ouais. C'est que j'entends un bon moment, ouais. C'est faux. Bon, vas-y, on parie. C'est faux. Ouais. On parie que c'est faux. On peut parier. Ouais, ouais, c'est mal préféré. Ouais, quand même, 3 heures pour un bouquin. Parce qu'on va faire un truc tous les 3 jours. Bah oui, toi, tous les 10 ans, c'est le pire. Ouais, mais tu vois, ce qui est bien, c'est que ça nous laisse le temps d'économiser. T'économises quoi? Du taf? Non, du temps. Bon, restez dans les parages. On va se poser au soleil sur la place. Tu t'appelles les keufs? Non, ça va, je les ai croisés tout à l'heure. Allez, foutez le camp. Après ce manque de respect, nous on va gratter nos yeux à gratter. Vas-y. Ouais, j'ai pas gagné. Là. J'ai encore pas gagné. Oh. Je te jure, il gagne 100 euros, je le tape. Rate le premier ou le deuxième avant? Comme tu veux.
Ouais, 0 euros. Perdu. 0 euros. On est riche avec ça. Hein. Je crois que je vais lui demander de rendre l'autre. Le voyage est vite rentabilisé. Non, là, du coup, on est sur les marches. Je sais pas, c'est la place de la ville peut-être. Bon, en tout cas, il y a le marché. Et l'enfant là. Donc là, on a 2 heures à tuer. Ça sent de mauvais coups de ouf, hein, on est d'accord. Hein. On va être là. Ouais, ça pue, mais on va se dorer la pilule. Nous allons faire ensemble une analyse des mots qu'il a écrit du coup sur le. Ça, c'est le tien ? Ouais. Alors, nous avons. Une bite. Il faut un plan déjà, parce que comment se retrouver là-dedans ? Parce qu'on ne les a même pas filmés. Hein. Alors, il faut savoir que ça, c'est la première fois à Paris. Là, c'est 1x2 parce que c'était deuxième, troisième. Le quatrième. Il est en absence. Ouais, je sais pas trop. Il y a le 4. Hein. Là, le 4. C'est un reboot. Le 5. 5 et le 6 qui est maintenant avec donc ça. Et voilà. Alors, on se lève à 6h pour des bites. Voilà. C'est beau, hein. Analysons ensemble. Regardez-moi cette laideur. Alors, Noémie, ton premier, c'était quoi ? C'était ça ? Oui, ça, ouais, c'était ça. Ensuite, le deuxième, il est là, avec des bisous. Okay. Le 3, il est là. Le 4, il est en rose. C'est girly. Et le 5, il est là. Ça vient d'être fait. Voilà. Tac, tac, tac. C'est du gribouillage de cœur. Putain, ma voix déraille. Gribouillage de cœur, regardez-moi. Cette haine qu'il a en lui. Il a barré le cœur, il a failli transpercer le cahier, on précise. Lâchez-moi. Mais... quand même, ça fait plaisir. Ok. Ah oui, c'est un... Ah oui, d'accord. Ouais. Avant de sur eBay, le prix de départ, 100 euros. On a fait des enchères. Hein. Ouais. Faut savoir qu'en plus, il est arrivé en retard, parce que ça, on n'a pas vu dans la vidéo. Et du coup, il a reconnu elle, mais pas moi, parce que j'ai changé de coupe de cheveux entre temps. Ah oui, exact. Parce qu'avant, j'avais les cheveux longs et bleus. Et maintenant, tout coupé. Et la honte, ouais. Franchement, vous avez vu comment le personnage est ingrat. Ingrat. Vraiment, j'avais honte hein, à la fin. Tout le monde nous regardait trop pas bien dans la librairie là. Putain. Il est fantasque. En fait, comme d'habitude, on est trois et qu'il y a Emma avec nous. Il nous manquait de ouf la répartie d'Emma là quand elle le traite là parce que. Tous les gens, bien sûr. Ouais, putain. Non, tu nous fous la honte, c'est horrible. C'est drôle. Ouais. Un mot pour qui ? Faut YouTube quand même. Vraiment une connasse. Hein. Tout ça pour me retrouver dans une dans vidéo à la con. Mais bien sûr. Vraiment, heureusement que je suis en fin de carrière. Et donc c'est quoi ? C'est une vidéo pour c'est pourquoi ? C'est un vlog. C'est un vlog ? C'est le vlog, ouais. C'est quoi un vlog ? Un blog en vidéo ? C'est. J'ai envie de vomir, je suis levé trop vite. Et bien, j'ai du café qui. Ça te dérange pas si. Non. On dirait qu'il est rebou. Tiens, t'en choisis avec ça. Ça se quitte pas pour ton vlog. Tu pouvais pas choisir ce que tu vois. Ce mec non, est complètement ingrat. Non, ah mais putain, c'est tombé là-dessus. Mais oui, c'est vraiment une poissarde. Putain, je te choisis, je vois ton blague, vas-y, je vais la glisser. Bah oui, merci, j'ai remarqué. Oh tiens, comme par hasard, je vais prendre. Ah, non, on dirait pas les tontons un peu bourrés, là, fête de Noël. T'as vraiment salopé tes wads, toi. Mais arrête, wesh. J'ai l'impression d'avoir un tonton de beau. Mais c'est quoi, c'est un rébus ? Il y a un truc, une carte de trésor, qu'est-ce qu'on trouve à l'arrivée ? Un pot de vinaigre. Pot de vinaigre. De quoi ? Pot de vinaigre ? Pot de vinaigre. Putain, allez, barrez-vous là. Fais-toi des petites lunettes. Putain, j'ai failli faire une teub et je me suis dit après. Et après, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai ? Ah, tes lunettes, tu les portes là, wesh. Ouais, qu'est-ce qui t'arrive ? C'est des lunettes élastiques, un petit peu derrière le crâne. Truc un peu SM. C'est de l'autre. Avec une petite veste en cuir là. Petite diadème quand même. Ça fait très hippie. Ouais. Moi ça me rappelle les affiches, tu sais, qui sont collées avec. La meilleure blague de l'univers à Gringe. J'ai fait croire que son lacet était défait quand il partait. Mais à l'autre bout de la rue. Mais j'ai filmé 2 secondes. Bref, on n'a pas la vidéo, mais c'était super drôle. Ça a marché. La blague du lacet fonctionne encore. Vous aurez le court extrait
Nous, ils ont rien, ça sert à rien. Pour la situation. Mise en situation. Voilà, c'est fini. T'es chez quel opérateur? Orange, c'est 888. Emma, faut que tu écoutes ta messagerie. Écoute le message, s'il te plaît. Parce qu'on t'a laissé un message, genre sous l'excitation, tu vois, il va être super drôle. Et il y a une surprise dedans. Vous avez un ancien message. Hier, à 12h56. Debout, réveille-toi là, bouge-toi, secoue-toi, j'en ai plein de cul, que tes copines fassent tous les trajets une fois sur deux sans toi. À un moment donné, tu te désolidarises pas comme ça, hein. Je sais que tu sais pas qui te parle, et c'est tant mieux. Mais je vais te... Ah, j'ai pas de blague, sa mère, elle est trop tôt, putain. Bon, je suis un petit peu déçu que tu sois pas venu. Mais visiblement, t'as des mieux à faire. Tu baves bien sur ton oreiller. Écoute, je partage entre l'envie de t'insulter et de te faire un bisou, donc je t'emmerde avec le sourire. Alors? C'est génial. T'as kiffé le message? Oui, franchement, il est génial. On est d'accord que t'as bien reconnu la voix? Bien sûr, évidemment. Parce que je sais pas c'est qui t'appelle. Sur cette magnifique aire d'autoroute que nous finissons ce vlog. Muni de café. Petit café. La bise.